Kakori et Kayana de Puaka. La phrase est correcte. Mais qu'est-ce qu'on remarque dans la phrase en mongarévien? En mongarévien, on remarque que... Que ça a changé. Le cochon, ce n'est plus le premier mot, comme dans la phrase en anglais et en français. Le cochon est passé à la deuxième place. Ah, oh, c'est pas pareil. Ah, mais en anglais, quand on veut donner la couleur de quelque chose, on doit mettre le nom de la couleur avant. You cannot say an apple red. You have to say a red apple. Au cycle 2, l'accent est mis sur l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Apprendre à lire et à écrire dans deux langues n'est pas une difficulté supplémentaire pour les enfants. Bien au contraire, les deux apprentissages sont complémentaires. Apprendre à lire et à écrire en Rurutu fait partie de nos programmes. Et étant donné que la langue Rurutu est une langue transparente, il est beaucoup plus facile d'apprendre à lire et à écrire en Réo, qui par la suite va permettre aux enfants d'entrer plus facilement dans la lecture et l'écriture en français. Et advai mata moi. Ta. Ta. Ti ia ti va ta Rurutu ya. Ti o ya ri ta. O vai na ruma an mai pap ai ta. Comme tout appel. Non. Tout appel. Chose. Ana. Ah. Ta. Et tu vas petit. Po. Po. Oui, t'as nommé papa. Et po. 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 Les G ont bien su encoder les mots proposés à l'aide des référents qui sont au tableau. Ils ont su écrire seuls les syllabes des différents mots. Donc, grâce à cette activité, ils ont pu encoder les trois mots. Matotea, ta oi. Mai taeroa. On a travaillé sur l'album Te piniamo amuma. Donc là, la phrase à encoder, c'était Te amura o Tito. Tito qui est le personnage principal. Ite anani. Ka oha e te tautō iki? Ka oha. E aha tō oto hakātu? Me tāi. E. I tēnei a, e haka ko tātō e taitani hou. Hei? A haka ono mai. E nā tu atua o ia oto, e whāpō na te ao. Nā oto e pe ao mai, e aha te tāni e ono tia anātu. Kaikai, kohe, pukiki, komāo. E aha te tāni e ono tia anātu. Nā oe? Haoko. Wahei? Wahei te a? Patuata ta auto kuea e a tapeka mai. Te wahi e ono tia te tāni k. Pao? Kai te mai. E? Nā oe, amai mua.
a pato, carro. É na auto. Te que tinha tu hi mua. Ka. Ka. A. Ka. Hu. Hu. Pe pato te hu. Carro. A pato. Hu. Na tato ha afro mai yo te papa pato imu. Ai te oe. E na epe. E na tahi ua to. Kai te mai. E ha te tani o tā tātou i hakako i tēnei a, te tani. Haoko. K. K. Pehea ia pātū tēnei tani K. K. Me te reta. K. Te reta. K. 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 Bien. Ça y est, les enfants, maintenant je vais parler en français. On écoute bien. Chut, tiens-toi bien. Bien, allez. Regardez ces nouvelles images que je viens de mettre au tableau. Alors ici. Écoutez bien. Un orchestre. Un képi. Un canard. Une casquette. Attention, écoutez bien. Est-ce que j'entends bien, tiens-toi bien, le son K dans orchestre? Oui. Oui. Est-ce que je vois la lettre K? Non. Non. Képi. Est-ce que j'entends bien le son K? Oui. Est-ce que je vois la lettre K? Oui. Oui, elle est là. Donc, qu'est-ce qu'on peut en penser de tout ça, Léna? Est-ce que vous avez entendu? L'enseignement des 5 heures de Eo et Nata en classe n'est pas une gêne au moment des apprentissages. Car au fait, ces 5 heures viennent compléter les heures en français. Et comme la séance d'aujourd'hui, j'ai fait une séance sur le son K en marquisien, qui s'écrit avec la lettre K, donc je n'y reviendrai pas en français. En français, j'étudierai simplement les différentes graphies du son K. Akoroyone teu tutoromiki e tangi au e takao tato tatato poema. Amene. Amene te takato te mete taki. Amene te. La séance d'aujourd'hui, c'était de produire en Reo Mangareva, de faire une production écrite du poème que nous avions produit oralement la semaine dernière. Alors, avec les enfants dans le groupe dirigé, j'ai utilisé la langue mangarévienne pour justement essayer de pousser ces enfants à lire, à combiner, hein, à essayer de mettre des lettres, des syllabes derrière ce qu'ils entendent. Donc, je peux dire que la langue mangarévienne a beaucoup aidé ces enfants-là à être lecteurs, à commencer à être lecteurs. Alors, pour le premier groupe, ils avaient un travail spécifique à faire sur les ordinateurs. Dans ce groupe, les enfants doivent ranger les mots dans l'ordre pour qu'ils puissent avoir une phrase qui correspond à la phrase entendue. Amene te oravai te ninori koia. Alors, pour ce groupe en autonomie, hein, les enfants doivent produire à l'écrit des vers du poème, toujours en commençant par un même mot, amene. Ils devaient d'abord reformuler oralement, revoir oralement la phrase qu'il devait produire à l'écrit, ensuite ben, écrire tout simplement. Et il y a Katitana. Mete taki. Et il y a Et il y a Et A. Proturwa. Te. Mete taki. Et te akaopenga. Koia. Koia. Et à ta koto erongo muaroa. Eh, proturoa. Ko. Ameina kakite. Ava iara. Ko. Et à ta koto makararanga. Naveroa. Ko. Amai. Maroi. Au cycle 3, on approfondit ses compétences dans le lire, dire et écrire dans les trois langues.
koroyone e va rangatato naruto itereo mangareva. Arane e angamai koto ite anga no te piri. Amene ya te utu toromiki te utu ooa ta utu e angamai arane. Neira? Amene te anga. Te kata i te mekai e te me kore kai. Te karua. Mekai, katai, mekai. Mekai, mekorekai. Mekai, katai, katai, mekai. C'est une séance en production d'écrit. L'objectif est de produire des devinettes simples pour le moment. Et après, nous irons sur des devinettes un peu plus imagées. À la fin de la séquence, c'est la finalité de la séquence en fait. Donc pour ça, ils ont pour les aider des affichages, les couleurs, les formes, long, épais, mince, grand, etc. Et bien sûr, les images à leur disposition des fruits et des tubercules. Nous allons plus tard, comme je viens de le dire, produire des piris un peu plus imagés et voir les liens qui peut y avoir avec d'autres matières, ce qu'on vient de faire aujourd'hui, par exemple le Ourou, voir la légende du Ourou, quel lien il peut y avoir, quel lien on peut mettre entre notre légende du Ourou et notre piri. Je prends un autre exemple, la citrouille par exemple, on peut mettre en lien la fête de Halloween, donc tout ça on va le voir après. Donc aujourd'hui, c'était vraiment la production de devinettes. Je pense que s'ils sont structurés en mangarivien, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, ils le seront en français et en anglais et dans les autres langues qu'ils apprendront plus tard. Personnellement, ce n'est pas une difficulté pour moi d'enseigner les trois langues, puisque quand on est en français, nous sommes qu'en français, en mangarivien qu'en mangarivien, en anglais qu'en anglais. Donc j'essaye, dans la mesure du possible, de bien les structurer dans les trois langues. Donc il n'y a pas de difficulté avec ça. On fait bien la distinction entre le français, le mangarivien et l'anglais. Pour les élèves, c'est une chance, bien sûr, d'apprendre les trois langues. Leur langue maternelle, bien sûr, le français qui va leur servir tous les jours plus tard, et l'anglais, quand ils voyageront, et rien que pour communiquer avec les anglophones qui sont de passage sur les voiliers, ils peuvent communiquer simplement, ne serait-ce que dire bonjour, comment ça va, j'ai faim, voilà, des choses simples. Ite ia mana, ia niwa ia auto, ia papa e mai I te ho e paripari I nei jo ia tautira. Papura auto? E piatu ai mua, te e tatato ohipa. Papa e mai I te ho e paripari no tautira. Hau tato papa I e, e hamana o mai tato, I te mau ohipa o tatato I hi o mai nei nei a tautira. Te e te hoho a whenua o tautira, E te veira te te mou wāhi tātātou I hi o maina. Te mana. Te outu. Te? Outu. Here mei whaai te. Te he aroa. O te awha. E outu te awha? E ta. O te terai te haere rā whai. E hai e te rā. Mai te re aiti haere rō I rā pai. E hai e te rā e piti wāhi. Te rā e piti tāpao. Eita te o tu, te? E o tira, tau tira. Waiti I te waiti o tāro pape. Kevin? Tāro ora pape o waiti piha. O waiti piha, te hea roa pape ilahia. Mai te roa, a te o mai tāo e irawa. E mau ato ni a, o tāo e wa. Cette classe là, c'est une classe de CM1. Qui fait partie du dispositif REO-C3, donc à savoir que ces élèves-là, ils ont bénéficié depuis la classe de CP de 5 heures de REO mort. Et là, actuellement, ils font 5h30 de REO par semaine. Un élève qui écrit bien dans une langue est capable de bien écrire dans une autre langue. Et le transfert se voit bien en classe, dans les différentes disciplines. Un élève qui sait bien écrire, c'est un élève qui apprend à avoir confiance en lui avant tout. Et un élève qui a confiance en lui, c'est un élève
qui est plus épanoui et qui est plus volontaire et motivé dans son travail. Donc un élève qui est motivé en réo peut transférer cette motivation en français ou en anglais. On modernise l'apprentissage de la langue tahitienne à travers l'utilisation des TIS. Donc cette langue ne reste plus dans ce cocon culturel. Au contraire, à travers les TIS, on peut s'ouvrir au monde. L'enseignement des trois langues développe chez nos enfants des compétences plurilingues, j'appellerais ça comme ça. Donc il n'y a pas du tout de difficulté entre le transfert d'une langue vers une autre langue, que ce soit en français, en réo ou en anglais. Plus de réo, donc moins de français, les élèves ont quand même beaucoup de compétences en français. Donc ça prouve bien qu'enseigner beaucoup de réo ne nuit pas à l'enseignement de la langue française. Yoram na te motamari. Yoram na urubetua. Ya to uto urute ma ana. Meiteiroa. Meiteiroa vote ma ana. Te ma ana te motamari. E api uto na ia e numera avitiviti mei. Tit e matutur aravia a aitura. E na muarua e amatatato na nueo e te numerara. E itu anere, e yono a uru ma piti miria. E pe anere, vau a uru ma maa mirioni. E iva anere, toru a uru ma tei tawatini. E tei, e itu anere, piti a uru ma vau. E nana me tato te maunumera a ma ineari. Tana numera ma tamua, nana me oto. A tanu ane tana papira. Nana namu. Apira? Aori. Aori a api? Ti ia te va api? Mirioni. Ti roto ite? Mirioni. Ti roto ite mirioni. E ma ine? Arabe me uet pua papi? E ia ite numera ite ui roto ite mirioni. Pe anere va ua uru mama. Pe anere va'u'a uru mama. Maruru.